Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la première année collégiale. Et toujours, je vous rappelle, on est dans la séquence de produire un récit court et simple. Et dans cette séance de lecture, Inch'Allah, on va essayer ensemble d'identifier la rapidité des actions dans un récit. Identifier la rapidité des actions dans un récit. Mais avant de commencer, observons bien les images suivantes. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? La première image, on a un bœuf. Et qu'est-ce que vous voyez encore? On a le beefsteak. On aime manger le beefsteak. C'est le beefsteak, la viande du bœuf. Qu'est-ce que vous voyez encore sur l'image? On a le menu. Alors, vous avez deviné de quoi il s'agit. Vous avez deviné le lieu de l'action. Où on est? Et qu'est-ce que vous voyez encore sur l'image? On a la course de taureaux. On organise en Espagne toujours la course de taureaux. Alors, j'espère que vous allez écouter, suivre avec moi le texte et aussi relever les actions et les verbes du texte. Le texte est dans la page 115, 115 livre parcours. Deux Français voyageaient en Espagne pendant l'été. Ils ne savaient ni l'un ni l'autre l'espagnol. Et cela les embarrassait parfois. Un jour, à Tolède, ils entrèrent dans un restaurant, examinèrent le menu. N'y comprenant rien, ils décidèrent de manger un beefsteak. Ils essayèrent d'exprimer leur désir, mais le garçon n'arrivait pas à les comprendre. Alors, l'un des voyageurs saisit un morceau de papier et dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon, qui, souriant, s'éloigna aussitôt. Je crois que cette fois, il comprend, dit le dessinateur à son compagnon. Et il attendait patiemment une dizaine de minutes. Enfin, le garçon revint. Il apportait sur une assiette deux billets d'entrée pour une course de taureaux. Alors, j'espère que vous avez relevé les personnages et aussi les actions de personnages. Revenons au texte. Deux Français voyageaient en Espagne pendant l'été. Ils ne savaient ni l'un ni l'autre l'espagnol. Et cela les embarrassait parfois. Un jour, à Tolède, ils entrèrent dans un restaurant, examinèrent le menu. Ne comprenant rien, ils décidèrent de manger un beefsteak. Ils essayèrent d'exprimer leur désir, mais le garçon n'arrivait pas à les comprendre. Alors, l'un des voyageurs saisit un morceau de papier et dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon, qui, souriant, s'éloigna aussitôt. Alors, sans oublier, toujours, on va relever les étapes de récit. Les étapes de récit. Alors, maintenant, le lieu de l'action. Où se passe l'action? Oui, très bien, on est en Espagne. Où exactement en Espagne? À Tolède. Où exactement encore? Dans un restaurant. Alors, voilà le lieu de l'action. Maintenant, quels sont les personnages de ce récit? Les personnages. Oui, très bien. Alors, on a deux Français. Deux Français. L'action, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première, ils ont voyagé en Espagne. Maintenant, le temps de l'action. Quand est-ce qu'ils ont voyagé en Espagne? Le temps, c'est pendant l'été. Et le problème, ils ne savaient ni l'un ni l'autre l'espagnol. Maintenant, quel est ou bien le mot qui a annoncé le départ? Ou bien le mot qui a annoncé le changement dans l'histoire.
On a ici un jour. C'est un jour. L'action, c'est entrer dans un restaurant. Et quelles sont les autres actions qui vont suivre? Examiner le menu. Décider de manger un beefsteak. Essayer d'exprimer leur désir au garçon. Et n'oubliez pas, ils ne savaient pas l'espagnol. Alors comment ils vont essayer d'exprimer leur désir au garçon de restaurant? L'un d'eux, il sait bien dessiner, c'est un dessinateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il saisit un morceau de papier, dessina un bœuf et inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon qui, souriant, s'éloigna aussitôt. À la suite, on va voir maintenant est-ce que le garçon a compris ou non. Je crois que cette fois, il comprend, dit le dessinateur à son compagnon. Et il attendait patiemment une dizaine de minutes. Alors, ils vont attendre. Enfin, voilà la fin. Le garçon revint. Qu'est-ce qu'il a apporté à la fin? Il a porté sur une assiette deux billets d'entrée pour une course de taureau. Alors, est-ce qu'il a compris? Non. Évidemment, il n'a rien compris. Parce qu'il a apporté deux billets de taureau, il n'a pas apporté le beefsteak. Alors maintenant, on va voir la réponse. Et toujours, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous allez relever les étapes de récit encore. Et faites attention aux actions de personnages. Passons maintenant à la correction. Alors, on a les personnages, on a dit deux Français. Le lieu de l'histoire, on a dit l'Espagne à Tolède. Dans un restaurant. Le temps de l'histoire, déjà, on l'a relevé, c'est pendant l'été. Et les actions des deux personnages. Quelles sont les actions des deux personnages? Tout d'abord, entrèrent dans un restaurant, examinèrent le menu, décidèrent de manger un beefsteak et essayèrent d'exprimer leur désir au garçon du restaurant. Maintenant, quelles sont les actions du dessinateur? Ça veut dire l'un d'eux qui s'est dessiné, qu'est-ce qu'il a fait? Tout d'abord, il a saisi un morceau de papier. Deuxième action, qu'est-ce qu'il a fait? Il dessina un bœuf et inscrivit le chiffre 2. Il dessina un bœuf et inscrivit le chiffre 2. Après, remit le billet. Au garçon, observez bien ses actions. Saisit un morceau de papier, dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2, remit le billet au garçon. Comment sont ses actions? Elles sont rapides, très bien et brèves. Maintenant, à vous maintenant de relever les étapes de récit. Le début de l'histoire, l'élément qui a marqué le départ, et aussi les actions des personnages et la fin. Alors, si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors, la première étape, le début. On a deux Français voyagèrent en Espagne. En été, ils ne savaient pas l'Espagne, l'espagnol. Voilà le début de l'histoire. Ils sont en voyage pendant l'été, ils ne savaient pas l'espagnol. Le départ, c'est ils vont entrer dans un restaurant. Quel indicateur qui a marqué le départ ici, c'est un jour. Alors, ils sont entrés dans un restaurant. La suite de l'histoire, les actions de personnages. Examinèrent le menu, décidèrent de manger un beefsteak, essayèrent d'exprimer leur désir au garçon. L'un d'eux saisit un morceau de papier, dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon. Et quel est l'indicateur de temps qu'on a ici? Alors, la fin de l'histoire. Qui a marqué la fin de l'histoire, c'est le garçon revint avec deux billets d'entrée pour assister à une course de taureaux. Et l'indicateur enfin. Maintenant, je classe les actions des deux Français dans le tableau. Commençons par les actions des deux Français. Alors la première action, on a entrer dans un restaurant. C'est quel verbe? Oui, très bien, c'est le verbe. Entrer, à quel temps au passé? Ça. Deuxième action, examinèrent le menu.
C'est le verbe examiner au passé simple. Troisième action, décidèrent de manger le beefsteak, c'est le verbe décider au passé simple. Comment sont ces actions? Toujours elles sont rapides et brèves. Essayèrent d'exprimer leur désir, c'est le verbe essayer. Maintenant, observez bien les actions du destinataire. Je classe les actions dans le tableau. La première action, on a, il saisit un morceau de papier. C'est quel verbe? C'est le verbe saisir, au passé simple. Dessina un bœuf. C'est le verbe dessiner, au passé simple. Inscrivit le chiffre 2. Le verbe inscrire, au passé simple, toujours. Et remit le billet au garçon, toujours on a le verbe remettre, au passé simple. Et comment sont ces actions? Elles sont rapides et brèves. Alors la phrase qui rend compte des actions du dessinateur, voilà la phrase. Alors l'un du voyageur saisit un morceau de papier et dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon qui souriant s'éloigna aussitôt. Une seule phrase. Et dans une seule phrase, on a des actions rapides. Saisit, dessina, inscrivit, remit. Ce sont des actions rapides. Alors, quel est le rythme de ces actions? Le rythme, on a, ce sont des actions rapides. Alors, maintenant, on relève dans le texte un mot qui renvoie au bœuf. Déjà, le bœuf, c'est l'auto, taureau. Quelle est la raison qui a poussé les deux Français à faire un dessin? Pourquoi ils ont fait le dessin? Oui, on a déjà vu au début qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas l'espagnol. Alors, ils ne savaient pas l'espagnol et le menu est écrit en espagnol. Voilà la raison qui les a poussés à dessiner. Alors, maintenant, est-ce que le garçon a vraiment compris le dessin? Déjà, on a vu qu'à la fin, le garçon, il a apporté deux billets pour une course de taureau. Ça veut dire qu'il n'a pas compris le dessin. Voilà pourquoi. Alors, j'espère maintenant, mes chers, que vous avez identifié la rapidité. Vous avez remarqué que ici dans le texte, on a des actions rapides et on a conjugué les verbes au passé simple. Alors j'espère que vous allez lire et relire le texte pour mieux le comprendre. En attendant, à bientôt, mes chers.